Tu es homosexuel. Oui. C'est terrible, hein. Souvent, il y a des sujets, souvent, il regarde. Et tu as fait quoi? Tu as gagné son argent? Or, regardez, même les homosexuels, tous ceux qui pratiquent ça, c'est le plus grand péché même. C'est vrai que les péchés sont péchés, mais c'est contre nature et c'est dévier Dieu. Or, quand un homme couche, sodomise son camarade homme, il lui prend toute la chance. C'est ça je veux qu'il explique. Il ne dit pas la vraie raison. Or, dans l'homosexualité, quand quelqu'un sodomise, c'est ça qu'ils mettent de l'argent dedans. C'est ça qu'ils allaient voir que la plupart des grands, là, ceux qui font la franc-maçonnerie, ils sont dedans. Or, quand ils sodomisent un homme, ils lui prennent toute la chance. Et voilà. Mais tu ne couches pas comme ça à lui. Parce que tu as envie de faire un plaisir. Non. Il y a quelque chose que tu dis dedans. Qu'est-ce que tu gagnes? Hein? Hein? Explique bien, mon ami. Tu es sorcier, non? Tu dois être courageux. Maintenant, on appelle aveugle. Maintenant, là, c'est aveugle. Quand tu couches avec lui, qu'est-ce que tu prends? C'est hein? C'est ça veut dire quoi? Son argent. Tu as pris son argent, tu couches avec lui, c'est toute sa chance. Qu'est-ce que tu as fait encore, c'est lui? Tu fais quoi? Quand? En 2014. J'étais là, je ne t'ai pas appelé. Il était assis derrière là. Je l'ai appelé. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu avais dit que je suis programmé pour une mort. Mais quand? Notamment le mai. C'est quoi ce qu'il a dit? Pourquoi tu mens? Il me dit avril. Il est programmé. Ce n'est pas 2013 ni 2014. C'est pour bientôt. 2015, je ne sais pas. Ce matin, quand il a fini, je l'ai appelé dans mon bureau. C'est ce que je voyais. J'ai eu envie de parler. Et puis, il a appelé dans mon bureau. Il m'a dit, tiens, tu as un problème très sérieux. Voici le problème. C'est que le 8 mai, tu dois mourir. Hein? C'est pas ça? Mais moi, je peux parler à votre place. Mais ce n'est plus aveu, c'est révélation. Je ne suis pas là pour révélation. Je veux que toi-même, tu parles. Et non seulement ça, ça te délie. Et ça me délie. Tu as fait quoi encore? Ça vient, on a mis son nom. Hein? Ça vient, ça chie, on a mis son nom. Non. Il n'est pas encore mort. On doit le tuer le 8 mai. Tu vois ça? Dans le micro, mon ami. Oui. Or, ils ont cette capacité de distraire les gens. Ils peuvent distraire. Tu fais peur des choses. Et quand tu rentres dans ce jeu-là, non seulement tu ne veux pas délivrer la victime, mais le sorcier peut même te détruire. Parce qu'il se sent humilié. Donc il va user de beaucoup de choses pour distraire. C'est pour ça qu'il faut avoir un esprit de discernement. Ça va s'il ment ou pas. Et il n'y a pas à lutter sur ta gâtine. Le fils est où? Il n'y a pas le fils qui soit actif. Quels sont ceux qui ont pris ta gâtine? Ça tombe aussi. Qu'est-ce que tu as gâté dans la vie? Tant que ça t'est tombé sur le business. Et toi, tu as tenu à taper, tu aimes taper les tam-tam. Tu as tapé. J'ai un collègue. Il tape tam-tam. Et puis là, il tape ici, il arrache chasse. Hein? Il a pris sa chance, son intelligence. Tu envoies ça où? Qu'est-ce que tu as gâté dans la vie de cette femme? L'accouchement, c'est l'argent, les voyages, le mariage. Comment il s'est retrouvé chez vous? C'est votre neveu? C'est mon neveu, le fils à mon frère aîné. Ouais. Et il a fait l'échec au CEP. Et c'est ma femme même qui m'a encouragé à le faire venir chez vous. Là, on a mis au privé, et on a payé ses études sur 3 ans, c'est-à-dire CM2, 6e et 5e. En fait,
Toi, tu viens à la maison chez les gens qui ont décidé de t'aider et tu pratiques la sorcellerie. Comment tu trouves ça? Un peu méchant. Et tu trouves ça normal? Avant de venir, tu peux dire sorcier. Ok. Mais pourquoi tu n'as pas pris le soin de dire aux gens que tu es sorcier? Pourquoi on te délivre? On t'a envoyé en mission. Donc tu as compris? Ça lui met l'envie même de l'envoyer là, mais c'était une mission. Et tu as compris la mission. Qui te l'a battu? Hein? Tu l'as attaché là-bas. Donc tu as compris la mission. Hein? Il y a de lui. Il y a de lui, vous avez plus de lui. De lui, vous avez envoyé la photo. Oui, oui, c'est ça. C'est dangereux, hein. Faut parler vite. Donc, à partir de jeudi, je laisse ton argent, la personne pour faire tout derrière. Je laisse ton âme pour faire. On va se tirer là. De jeudi, tu laisses ton appartement, ton mariage, ton voyage, mon temps de vie. Voilà, c'est collé. Recule. Lâche. Il libère son âme maintenant même. Voilà, puissance qui est dans le sang de l'agneau. Voilà, puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ. Je libère ton âme. Je libère maintenant ton âme. Lâchez-la. Je libère ta fécondité. Je commande aux esprits de lâcher ta vie. Lâchez-la. Vous m'attendez? Lâchez-la. Lâchez totalement sa vie. Dans le nom de Jésus. Libérez-la maintenant. Libérez-la maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libérez son âme maintenant. Libérez son âme. Lâchez-la. Je proclame maintenant la vie. Je proclame ta délivrance dans la puissance et dans le sang de la vie. D'accord. Ça, à partir de jeudi, je laisse ton intelligence et je laisse en paix pour toi.
Vous êtes délivré. Vous êtes délivré. Prends le micro. Venez essuyer l'huile là. De la sorcellerie, lâche-le, quitte son corps, quitte, c'est un ordre, quitte, lâche-le, lâche-le, maintenant même, le feu sur toi, le feu, consulte tes œuvres, tu te manifestes quelque part, lâche-le, c'est un ordre, lâche-le, lâche-le, comment? Lâche-le. Comment? Allez, lâche-le. 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 Lâche son âme. Lâche son âme. Lâche-le au nom de Jésus. Le feu consume tes œuvres dans ce corps. Lâche-le. Allez, ça délivre. Prenez le feu. Demandez au Seigneur de se manifester dans la vie de cette famille. Prions ensemble, le Seigneur, lève la main. Ensemble, prions le Seigneur. Nous voulons te prier, Seigneur, notre Dieu. Merci. Merci, notre Dieu. Pour être avec nous, Seigneur, nous sommes là. Nous savons que tu prends les choses. Amen. Voilà, que vous bénissez son nom. Vous avez pu chasser le démon. Oui, à moitié. Et bien maintenant, ce qu'on appelle prêter serment. Voici la partie sacrée. C'est-à-dire que le démon est parti. Elle doit prêter serment. Ok, on lève la main. Le bon Dieu, les hommes, le jour où tu retournes dans la sorcellerie, que tu sois châtié par Dieu et que tu tentes et que tu meurs. Allons-y. Non, pas grand-père. Sorcellerie. Tu n'as qu'à t'enfler. Moi, j'aime plus bien que les sorciers souffrent d'abord. Oui. Hein? La vie déclare que c'est ta parole qui te condamnera et ta parole te justifiera. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Ça dit maintenant ne constitue plus un danger. Va t'asseoir. Amen. Où est la vieille gourou là? Où est la vieille gourou là? La vieille qui allait prendre l'esprit de Mami Wata pour donner. Prends Mami Wata la chambre de ses enfants. Elle ne va pas me fatiguer. Oh, viens ici. Tu dors. Elle a force pour dormir. Bon, petit bien. Voilà, elle a réglé son dossier.
Le petit lui est venu de lui-même dans un village. Il est venu pour se faire délivrer. Il a trop mangé la chair humaine. Comment tu t'es retrouvé ici? C'est lorsque j'étais au village à Douai là-bas et je voulais ma délivrance. Donc cela. Lorsque j'étais à Douaville, dans mon village, et je voulais ma délivrance, c'est pourquoi c'est je. C'est quoi que tu cherchais à être délivré? Je suis un sorcier, c'est pourquoi je voulais être délivré. C'est pourquoi j'ai fait un contrat à Douaville et j'ai eu l'argent, c'est ça, pour arriver ici. Explique. Oui, comment tu as fait? Tu fais. Je m'appelle Doua Cédric, je suis sorcier. C'est mon grand frère Doua Kader qui m'a donné. Il m'a donné dans la nourriture, le foutou. Et puis sauce poulet. Il y avait un poisson dedans. Ce poisson il l'a transformé en viande de l'homme. Maintenant quand j'ai mangé cela, j'ai eu la sorcellerie. Et la nuit, il est venu me chercher lorsque je dormais. Il est venu, il m'a pris, on allait au monde de la sorcellerie. Quand on est arrivé là-bas, il m'a donné la chair humaine, j'ai mangé. Il m'a donné sang de l'homme, j'ai bu. Maintenant, il m'a demandé de tuer quelqu'un. Maintenant, moi, j'ai tué 7 personnes. La première personne que j'ai tué ma grand-mère. Quand je vais tuer une personne, je vais chez la personne. Et quand j'arrive chez la personne, je dis le nom de la personne 3 fois. Maintenant, quand son âme sort, et son âme, je prends pour l'attacher. Soit je transforme en cadeau, soit en mouton. C'est comme ça que j'ai fait ma grand-mère pour la manger. La deuxième personne que j'ai tué les 2 petits-enfants de mon oncle. Ils n'étaient pas encore grands. Ils n'étaient pas encore nés. On ne les a pas encore donné le nom, puis ils les tuent. Non, explique bien. Ils étaient dans le ventre, mais ils étaient dans le ventre, dans leur main, et je les tue. Comment tu as fait? Quand je vais chez la femme, je prends ma machette. Et je pique dans le ventre de la femme, et le bébé meurt dans le ventre. Et maintenant, l'âme sort. C'est l'âme, je prends pour l'attacher. Et puis maintenant, c'est comme ça que j'ai fait les 2 pour les manger. Et puis après, j'ai tué mon ami qui s'appelait Vieux. Après, j'ai tué Béranger. Et puis, j'ai tué Gignon. Et puis, Fabrice. Les 7 personnes que j'ai tuées. Comment tu fais pour tuer les gens? Ils ne sont même pas membres de ta famille. Tu fais comment? Je me transforme en chat. Et puis je vais chez la personne. Quand j'arrive là-bas, je dis le nom de la personne 3 fois. Maintenant, quand l'âme sort, c'est là que je prends quoi? Non, mais tu te transformes en chat. Comment tu te retrouves dans la maison de la personne? Je marche comme un chat. Et puis j'arrive près du mur. Maintenant, je me colle au mur. Je rentre dans le mur. Je me colle au mur. Et maintenant, je me retrouve dans la maison. C'est quand j'arrive là-bas, je me transforme en l'homme pour dire le nom de la personne 3 fois. Et son âme sort, c'est ça, il prend pour l'attacher. Je me transforme en cabrio, soit en mouton. Tu as gâché la vie de qui? Mon papa, et puis ma grand-mère, et puis mon grand-père. Mon grand-père est chié dans le champ. Et puis lui, j'ai gardé son argent. J'ai mis son argent dans le canari. Et puis, je l'ai attaché. Et puis, mon papa, qui s'appelle Mathias. Lui aussi, j'ai gardé son argent, puis je l'ai attaché. Et puis ma grand-mère, je l'ai attaché aussi. C'est ces reins qu'on prend pour faire table au moment de la sorcellerie. Je l'ai attaché aussi. C'est quoi? Les reins ici. C'est ces reins. Son dos, mais les reins. Ces reins. Ici, là, son dos. Oui, papa. Les autres vont faire table au moment de la sorcellerie. Table à manger. C'est le dos de la vieille. Oui, papa. Tu vas manger. Non. Tu sais pas fabriquer ça. Vous allez voir la vie, elle est tordue. Vous allez déposer ma mission là sur son dos. Et tu as caché qui encore? C'est la 3 personnes que j'ai. Qu'est-ce que tu veux réellement? Ma délivrance. Prends le micro. Viens là.
Comment? Le sang de l'éternel. Lâchez-le. Tout son corps. Et maintenant même, dans le nom de Jésus, qui libère son âme, lâche-le. Le pouvoir des chats dans ce corps. Manifeste-toi et quitte son corps. Va-t'en. Va. Allez. Va-t'en. Lâche-le. Le feu sur toi. Le feu consume tes œuvres. J'envoie le feu dans ton ventre. J'invoque le feu dans ta poitrine. J'invoque le feu dans tout ce corps. Je te commande maintenant. Lâche-le. Va-t'en. Le feu consume tes œuvres dans ce corps. Le feu consume tes œuvres dans ce corps au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu lâches son âme. Tu libères son esprit. Tu libères tout son être. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, lâche-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as attaché trois personnes pour la fête des Pâques. Il y a deux dames et puis un homme. Donne-moi le nom. Trois personnes. Il y a deux dames et un homme. La fête des Pâques, trois personnes qui sont attachées là-bas, trois. Il y a deux dames et puis un homme. Oui, et la troisième personne, c'est qui? C'est mon grand-père. Donne-moi le nom. Mon grand-père s'appelle. Benigno. Et pourquoi tu n'as pas dit ça ici? Si vous voyez que vous êtes en train de chasser un démon de la sorcellerie, que le démon se manifeste, qu'il résiste, c'est que la personne n'a pas encore fini les aveux. Va t'asseoir. Là, viens. Déplacez-la la chaise. Oui, maman, c'est une mortanienne. Il y a le visage de l'autre. Elle est prête à parler. On y va vite, hein. Elle est quoi? Elle dit quoi? Elle va vite. Doucement. Non, madame, faut pas rire, c'est le sujet, est trop sérieux pour que tu puisses rire. Le micro, le micro. Elle avait quoi? Doucement. Son nom c'est Benigno Tikeli. Ouais. Elle a eu 11 enfants. Tout est mort. Non, c'est 3. Un garçon, 2 filles. Donc elle a mangé 8. Voilà, comme ça. Donc, elle a mangé 8. Nous voulons elle a mangé les 8.
Depuis quand les sorcières? Bouddha, Anna, les nôtres. Oh, elle est née à Epoël, elle a fait quoi? Quel 15 ans, elle est sorcière? Elle n'a pas envie de parler? Non, elle est amie. Mais pourquoi jouer moi? Elle est amie. Elle est amie. Après avoir détruit ses trois enfants, qu'est-ce qu'elle a fait là manger les huit et les autres? Quand quelqu'un aime une personne, je crois qu'on peut faire souffrir une personne. Parce que c'est marié là, c'est une bénédiction. Elle y va. Mais pourquoi elle bloque ton mariage? Elle a vingt ça où? Oui. Mariage là, elle a vingt ça qui? Il est pour le mariage, il est pour le bouche, il est pour en est en Zia. Il est pour le Zia. Pour parler qui est en Zia. Quand il fait pas, là. C'est-à-dire, nous laisser comme ça sans qu'on ne se marie. Tu n'as pas bien posé la question. Où elle a envoyé le mariage? C'est-à-dire, il faut le bouche. Monsieur, vous, après qu'il y a Zia. Quand tu es bourreau d'Abidjan. Tu fatigues la tête. Elle a mis dans une bouteille, elle a mis ça sous la terre. Elle a donné ça à Mami Wata. Mais non. C'est pas ça? Toi, tu ne vas pas à Mami Wata? Très bien, maintenant. Elle dit quoi? Hein? Mais pourquoi elle dit pas ça? Comment elle a fait pour lui donner ça? Oui, qu'elle explique. Vous étiez où? Et puis comment elle s'est retrouvée, Mami Wata, depuis quand elle vit à elle, cette fille là? Faut qu'elle nous explique tout ça. Faut qu'on puisse briser. Mami Wata, Elle a cherché à avoir le pouvoir. Voilà. Donc pour avoir le pouvoir, elle a vendu un bon mariage à l'esprit.
fait quoi encore? Il me plaît. Non, oui, ben, bon, c'est le mal, mais on est bien chaval. La première pour le mariage, c'est bien mis à l'aise, nous, il nous dit. Non, mais qu'il n'a jamais été le fait. Non, les gourous d'Adjian. Oui, mais je mets un peu de qu'est-ce qu'elle a encore comme pouvoir? Il est où le préfet à Aimea, mais il est où le préfet à Aimea, mais il est où mais où est-ce que tu as dit? Tu as dit que 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 bon, en fait, moi je suis la dite. Non, non, je me dis à vous, ma petite amoureuse. Il est né à l'évoya. Là, il nous est allé, mais il dit, moi, je vais ma femme. Dixième enfant, elle a fait 11. Moi, je suis la dixième. Dans la coutume gourou, quand une femme fait 10 la 10 enfants, elle fait enfant et elle a 10 la 10. Dixième, là, il y a son. Il faut des canaris. Des dixièmes qui portent le nom de dixième enfant. Donc, le canari porte mon nom. C'est dans ce canari qu'elle a mis ces trois coris là. Or les trois coris ont été donnés par l'esprit de Ouata pour prendre la chance des gens, pour appauvrir les gens. C'est comme ça. Elle a un pouvoir. Quand elle parle sur les coris, elle disparaît. Elle a ce pouvoir. Or, on la loue pour aller tuer des gens dans d'autres villages. Donc elle est très dangereuse. C'est pour ça que ce sujet, je ne joue pas à ça. Il faut lui demander. Il a fait son pizza. Faut parler, aïe. C'est toi qui fais bizarre, c'est moi qui fais bizarre. Chacun a son ambassade. Moi, il est déjà dans le pizza. Il est déjà dans le pizza. Il est déjà dans On a déjà entendu ça. Elle a ça, elle prend ça pour appauvrir les gens. Qu'elle a ce courrier là, elle passe tout ça, elle disparaît. On la loue pour aller tuer les gens dans d'autres villages. Mais elle est sniper. C'est ce que je veux savoir. J'en ai les parler. Vrai ou faux? Vrai. Mais pourquoi elle ne dit pas ça? Pourquoi elle ne dit pas? Pourquoi elle ne dit pas? Oh, arrête ça, arrête Simon. Pourquoi elle ne dit pas ça? Moi, je sais tout sien. Pourquoi elle dit pas ça? Est-ce qu'on la loue pas pour aller tuer les gens dans d'autres villages? On la loue pas. Toi, ton boulot là, hein, il y a comme ça dedans, c'est français. Elle dit c'est vrai. Elle connaît tout le monde. On la met dans un village. On la voit dans un autre village. Quand elle est venue ici, elle a fait quoi? Si elle a dit ça, je l'ai aidé. Sinon, je lui ai donné le visa.
Elle a pris son pouvoir, la sorcellerie là. Elle a mis dans un rack là-bas, en bas là-bas. Ah, tu n'as pas bien compris. Il est en bas là-bas. Mets-moi pardon. Ok. C'est moi qui signe les visas. Vous connaissez la Mauritanie? Qui connaît? Chez les morts là. C'est ça la Mauritanie. Pardon comment? Mais je vais la libérer et puis elle prend ce qui est en elle. Et puis elle cache ça. Mais chacun a son calme. Vous faites sorcellerie, vous n'avez pas à calmer.